Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la boîte, comment dire, un peu fourre-tout, hein, qui vous est destinée ben, pour celle qui gagne ou celui qui gagnera le lot que j'aurai fait pour elle, voilà. Donc on va partir sur une boîte à couture, d'accord? Qui sont comme ça, je l'ai déjà démonté. Voilà, j'ai opté pour une boîte comme ça parce que je me dis que ça vous fera du rangement en plus et que du coup ça vous sera utile plutôt que de faire, je sais pas, un tableau ou quelque chose qui demande de la place et qui peut-être vous embêtera plus qu'autre chose. Là, au moins, ça vous sera utile. Donc, on va commencer. Je sais pas comment ça va finir. Hein. On va voir. Donc, je vais commencer, je vais venir coller, on va la travailler un peu en mix média, mais léger, et je vais venir coller de la dentelle, voilà. Notamment ici, je veux quelque chose de fin, puisqu'il y aura le mécanisme, là, les bras. Ah, ça commence bien. Là, hop, avant que je la perde. Donc, du coup, je vais d'abord faire les fonds et après on viendra recouvrir de gesso et travailler avec de la peinture, fait enfin, des sprays. Donc je vais mettre cette dentelle que j'aime beaucoup, mais au moins elle est fine. Je voulais mettre la dentelle plastique de chez Action, mais j'ai peur que ça bloque au niveau du mécanisme là. Donc du coup j'ai opté pour celle-là parce qu'elle est très fine. Voilà, donc je vais me servir de la colle, de la glue déco, la mat. Et je vais venir faire tout le tour. Alors, je mets bien de la colle puisque c'est du bois et le bois, on sait que ça absorbe beaucoup. Donc, du coup, je viens. Hop. Coller ma dentelle. Donc je me cale au bord puisque enfin si j'y arrive on va partir comme ça, ce sera peut-être plus simple. Je la tire. Et je viens repasser par-dessus pour bien la coller. Donc j'en mets bien partout de la colle. Après, moi j'ai pris celle-là, mais vous prenez la colle que vous voulez si vous voulez le reproduire. Hein. Il n'y a vraiment pas de. Et je vais faire ceci tout le tour. Et on continue. Donc, vous voyez, on appuie. Après, la couleur de la dentelle n'a pas d'importance puisque on va venir la peindre dessus, donc
Moi, j'ai pris celle-là, mais vous prenez ce que vous voulez comme couleur, hein, pas... puisqu'on le peint. Voilà. Et on va venir faire ça tout le long. Oula! On s'emballe un peu trop. Donc j'insiste bien sur les angles, hein, bien sûr. Et on vient coller. Donc là, j'essaye de la mettre droite. Et on vient. J'appuie en même temps, hein, que ça se colle bien. Hop, et pour le dernier, je vais venir coller ben, les deux, rejoindre les deux bouts. Parce que de toute façon, il y aura autre chose là. Donc, je viens le tirer. Et le coller pour pas qu'on voie la démarcation en fait. Là, je vais venir couper. Je vais venir pareil tirer et coller. Après, je sais pas du tout ce qu'on va mettre dessus. Là, déjà, je fais le fond, mais je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler au final. Ah, super, voilà. Donc, bien sûr, faites pas comme moi, attendez bien que ça sèche avant de passer au reste. Hein. Moi, je fais un peu trop vite comme d'habitude. Donc, voilà. Ça, je le mets de côté, je vais le laisser sécher et du coup, je vais venir faire ben, les autres côtés, d'accord? Donc, pareil, je vais faire exactement la même chose. Je vérifie quand même, du coup, ma dentelle. Je vais la faire dépasser un peu. Hein. Je la couperai après. Puisque sinon, elle est trop longue. Quoique, ouais. Ici. Donc, je vais la coller et après, je viendrai couper quand ce sera sec ce qui dépasse. Donc, ben, pareil, on y va. Par contre, là, de ce côté, je vais attendre parce que j'ai peur que ça ne passe pas au niveau de l'épaisseur si je mets la dentelle, comme ça va se croiser. Donc, je préfère attendre un peu pour voir si je la mets ou pas. Donc, je me cale. Hop. Et donc, je vais venir coller. Donc, j'insiste bien. Je tapote que ça rentre bien.
on fait pareil. Hop. Bien sûr, ces boîtes-là, vous pouvez les faire comme j'ai fait là, la boîte à couture, avec du papier scrap. Donc, pareil, alors je vais essayer de ne pas le poser. Mais bon, c'est exactement la même chose. Moi, je vais essayer de ne pas le poser puisque ce n'est pas sec. Donc voilà, hop. Bien sûr, j'y mets les doigts en plein dessus, bien sûr. Donc on colle bien le bord. On met bien de la colle partout. Et je viens couper à ras. Bien sûr, on arrangera après. Non, voilà. Je laisse sécher. Je le couperai après. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, pareil. Donc je vais le couper droit. Et on va faire exactement la même chose. Je me mets au niveau des carrés en bas. Moi, je m'aide avec ça en fait. Bien. On vient caler et on repasse. Bien sûr, vous pouvez avancer hein, parce que là on refait exactement la même chose. Mais bon, il y en a qui veulent tous les détails, alors du coup, c'est pour ça que je prends le temps de tout filmer. Maintenant, bien sûr, vous avancez, il n'y a pas de souci. Et là, ben, pareil, comme tout à l'heure. On met la colle.
bien appuyer. Et on vient repasser par-dessus. Donc, je ne sais pas si je vais partir sur du steampunk ou quoi, puisque je voudrais que ça plaise à tout le monde, mais c'est pas évident, donc je ne sais pas sur quoi je vais vraiment partir. Voilà. Et là, je viens couper. Et je vais laisser sécher comme ceci. Alors, je vais laisser sécher tout ça, puis on va se retrouver pour la suite après, dès que c'est sec. Donc, bah, moi, je vous fais un bisou. Je vous dis à tout de suite. Donc, en attendant que ça sèche, je vais venir décorer le fond, les côtés. Et voilà. Donc, pareil, je vais venir mettre de la dentelle. Quoique, peut-être que je pourrais mettre du filet au fond. Je vais voir. Voyons ça. Vous savez, le filet que j'avais acheté, là, le filet de linge, on peut le mettre là au fond, ça ferait joli. Ouais. Donc, je vais le couper. Alors, on va faire du pif hein, au début. Et quoique, je pourrais en mettre qu'au milieu et après mettre un bout de dentelle. Ouais, donc je coupe. Bon, mes ciseaux ne coupent pas, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon. J'ai plus de ciseaux qui coupent, il faut que je les nettoie. Ouais, ben non. Non, 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 ça coupe pas. Voilà. Donc là, je regarde à peu près. Encore un peu. Donc, je regarde ce que ça donne. Ça, je vais le couper parce que c'est pas très joli. Alors, je m'en fiche que ce soit droit ou pas, hein, puisque je vais venir par-dessus mettre de la dentelle. Là, je vais le couper quand même un peu encore. Un petit peu. On veut pas que ce soit super droit. Hein. Voilà. Et du coup, bah, pareil, on va venir coller. Hop. Là. Donc, on met bien de la colle partout. Je vais venir coller mon filet dessous et je vais venir repasser en le maintenant un peu hein, puisque c'est quand même il faut qu'il colle hein, donc hop.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de décorer l'intérieur. Si vous voulez pas, vous gagnez du temps ou quoi. Moi, c'est parce que c'est quand même un cadeau, donc je veux que ce soit, ça vous plaise. Mais vous n'êtes pas obligé de faire l'intérieur. Vous pouvez juste mettre de la peinture et puis voilà, pour l'intérieur. Donc on y va. Voilà. Moi je prends ça, mais vous prenez ce que vous voulez hein, pour faire le fond. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais venir au bord coller de la dentelle. Donc, je vais venir couper voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais venir le poser dessus. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien mettre que le filet. C'est vraiment au choix. Voilà, je le pose et après, avec la colle, je viens par-dessus. Et le tirer. Voyez, là, je l'ai fait un peu grand. Bon, c'est pas grave. Donc, je le tapote. Prévoyez quand même pas mal de colle hein, quand on fait ça. Donc voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là. Je viens la poser. Ah, celle-là, elle est un chouïa plus petite. C'est pas grave. Et on vient l'étirer. Vous voyez, j'essaye. Il vaut mieux y aller doucement, mais que ce soit bien plat. Donc on tapote. Voilà. On peut très bien faire tout le tour. Je pense que je vais arrêter là quand même. Ça va faire trop charger après, je pense. À l'intérieur. Ouais, bon après ça reste un fond donc pourquoi j'ai bon, on va venir couper quand même, on va faire tout le côté, on va faire comme un cadre en fait, c'est pareil de toute façon, ce sera discret puisque ce sera en fond donc et pareil. On vient le caler au bord. On colle.
On y va. Voilà, je fais l'autre côté et après on verra ce qu'on fait d'autre. Donc pareil, on appuie un petit peu et on vient coller. Non, vous voyez, je pars du milieu pour bien étirer, que ça se colle bien. D'accord? Et après, on va part de l'autre côté. Enfin, moi, je fais comme ça, mais non. Je vous dirais que je suis pas une spécialiste, n'est-ce pas? Donc, chacun après fait comme il le sent. Vous le savez. Voilà. On va laisser sécher. Du coup, je ne sais pas si je vais faire le... Je vais en mettre là de la dentelle sur les côtés. Donc, je sais pas, je vais voir. Donc, je laisse sécher, puis on se retrouve après. Donc, alors là, je suis désolée, la caméra n'a pas marché. Donc, j'ai attendu que ça sèche. Je suis venue couper la dentelle qui dépassait. Là, j'ai fait un pochoir au fond. J'attends que ça sèche. Et donc là, j'étais en train de regarder ce que j'allais pouvoir mettre dessus. Donc... ce qui n'est pas évident du coup, puisque c'est pas pour moi. Et du coup, je mettrai bien le cœur là. Je vais essayer de faire un petit mélange quand même, mais c'est pas gagné. Donc, j'étais en train de voir ça. Ça. Petite montgolfière. On va essayer. Non, un pari. Parce que là, j'ai sorti des embellissements que j'avais sur Paris, tout ça. Et je suis en train d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec. Voilà. Et je sais que j'avais le mot Paris. Voilà, il est là. Par exemple, là, on pourrait mettre Paris. Là, c'est là. Je la remets un peu droite puisqu'en séchant, ça se déforme un peu des fois. Vous voyez, une petite clé. En plus, il ne faut pas que ça dépasse du coup. Donc, c'est vraiment pas évident, moi je vous dis. Ah oui, super. Bon, bien sûr, je viens de le casser, mais bon. Vous voyez ce que ça pourrait donner. Bien sûr, faut le voir après. On va le travailler en mix média, hein, c'est pas... Donc, là. On pourrait le mettre là. Là, ça pourrait faire sympa. Mais là, du coup...
faire un truc. Ouais. Comme ça. Ouais. J'y arrive pas. Il y a des jours comme ça où ça coince. C'est vrai que... C'est pas évident certaines fois de... C'est surtout que du coup, comme je sais qu'il y a plusieurs styles, c'est pas évident parce que je connais pas la personne qui va le gagner. Donc du coup, c'est encore moins évident. Ça, là. Voilà. Et après, ma forme pourrait mettre des petits des embellissements en métal, la feuille, tout ça. Ça pourrait faire sympa aussi. J'ai bien. Mettre ça aussi dessous. Non, ça va faire trop chargé, quoique là ça pourrait peut-être passer là. Alors faire ça, ça et ça. Bon, au bout d'un moment, j'ai envie de dire qu'il faut se lancer. Donc, ma foi. De mettre le fleur de lys. Ouais. J'ai une grosse clé aussi. Mais ça me plaît pas. Non plus. Ah, et quand je vous dis quand ça bloque, ça bloque. Je sais pas. Mettre des coins peut-être là. Ça irait. Et là aussi, on pourrait mettre un coin. Ouais, bah, déjà, je vais coller ça. Donc, les coins. Au moins les deux. Je vais arriver. Elle tient, elle la colle. Fait enfin, le double face, là, elle tient. Hop. Donc. Eh ben, il n'y a pas mis. Non, je viens coller mes angles au bord. Là, l'autre pareil, hop, ça.
Pourquoi il veut pas? Marche plus ou quoi? Là, j'avais envie de mettre un engrenage dessous. J'aurais bien mis les gros, mais ça va pas parce qu'ils sont trop gros pour la boîte. Là, il y a un engrenage là sous le pari. Ouais. Donc, je viens coller. Donc là, je vais m'occuper de cela d'abord. Avant de coller le pari. Donc. Là. On fait attention de ne pas dépasser. Hein. Donc, je vais d'abord coller celui-là. Pareil, en faisant en sorte qu'il ne dépasse pas. Et là, celui-là. Donc voilà. Et donc là, je vais venir mettre des feuillages. Oh, du coup, la tour Eiffel, je la mets très bien là. Voyons, parce que je voulais mettre ça aussi. Ça, c'est un moulage de chez Prima que j'ai fait. Hein. Mais là, du coup, ça va pas aller. C'est plus ce que je voulais faire. Hein. Et oui. Le pari là. Quoi faire? C'est ça qui me bloque en fait. C'est terrible parce qu'on a une idée dans la tête, on l'a pas ailleurs. Et du coup, ben, c'est pas évident. Faire ça. Voilà, le pari, je le mets là. Je mets pari là. Là, il peut être sympa. Et là. Non, mais il est dit que j'arriverai pas à mettre ma fleur de lys. Hein. Non, alors j'enlève ça là. Aïe, 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 aïe.
Non, mais la tour Eiffel, elle va pas en fait. Ou alors si je la mets là. Là, la tour Eiffel. Là, la robe. C'est pas évident. Ah, mais j'en ai une plus petite, sinon une montre. Voilà, c'est sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ouais, ça peut faire sympa. Il n'y a que ça qui me dérange, là, le gros cœur. En fait. Ouais, il vaut mieux ça. Le cœur, il est trop gros. Non, bah, je vais venir coller déjà mon pari. Voilà. Je vais venir coller ma tour Eiffel. Désolée, la bronchite va pas mieux. Ensuite, la montre gloussée, là, comme ça. D'abord celui-là. Hop. Ça. Celui-là. Donc je mets quand même pas mal de colle parce que je veux être sûre que ça colle. D'accord? Parce qu'après il va y avoir les encres et tout. Donc voilà. Et ça, je vais venir le mettre de ce côté. Ah ben non, je l'ai cassé. Super. On va venir en couper un autre en espérant qu'il ne se casse pas. Ah, voilà. Et là, lui. Non, voilà. Hop. Moi, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que du coup, je fais un peu comme ça vient, franchement. Voilà. Et donc, du coup, je vais finir de coller ça. Alors. Ça y est, on a attaqué par les petits fils de colle. On colle. Toujours faire attention de ne pas dépasser sur le côté, puisque ça va s'ouvrir. Pareil.
Et là. Celui-là, je vais venir le coller aussi. Au milieu. Donc la robe, parce que c'est quand même Paris, Paris, qui dit Paris dit couture, donc la mode, forcément, on ne peut pas y échapper. Et là, je vais venir coller celui-là. Donc pareil, je vais... Et je viens le mettre en travers, puisque vous savez que je n'aime pas quand c'est pas en travers. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais arrêter là, parce que là, faudra juste... Là, je viendrai mettre deux petites bobines. Je les ai par là, non, je crois. Pour tirer. D'accord. Normalement, je les avais par là. Ouais. Là. Là et... Je n'ai pas une autre plus petite. Si. Alors, je le mets comme ça. J'aime bien quand c'est pas pareil en fait, quand c'est pas les mêmes. Je trouve que c'est sympa. Et là, du coup, je vais venir mettre des petits boutons aussi par-ci par-là, juste pour rappeler un petit peu aussi que bah, c'est Paris. Donc là, franchement, les couleurs, on s'en fiche. Puisque là, c'est vraiment pour faire un fond. Donc, vous voyez, je prends pif. Hein. Ça peut faire sympa comme ça aussi. Hein. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de dentelle, mais alors, léger. Donc, je mets un bout de colle. De toute façon, ça va être repeint par-dessus. Donc, c'est vraiment manière. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hein. Voilà. Et là, je vais venir le coller. Du coup, je le colle avant les boutons, comme ça, au moins. Je suis sûre de bien tomber. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Je coupe. Et là, je vais venir pareil le coller. Et ça, ce sera nos petites poignées. Ouvrira par là. Donc ça, ah oui, et les boutons du coup,
Ouais, je vais en mettre un peu partout. En fait, du coup, je vais venir compléter un petit peu par-ci, par-là. C'est un mélange couture, couture engrenage. Je sais pas trop, en fait. Ouais. Donc. Là. En fait, j'essaye de rassembler plus ou moins tout ce que j'aime. En fait, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est un mélange. Voilà. Là, c'est pareil, je prends avec des formes différentes aussi. Comme ça. Donc là, on va mettre un petit. Là, on va mettre un là. Bon, voilà, c'est vraiment après comme on veut. Voilà, je voulais voir s'il y en avait un petit qui rentrait là. Je vais en coller un là, dessus, au milieu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là pour le dessus. Il y en a largement assez. Et du coup, on va s'attaquer au côté. Non, même je pense que je vais télécharger parce que là ça commence à faire long. Donc je télécharge et puis on se retrouve après pour la deuxième partie. Donc ben, je vous dis à tout de suite.